Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LudasJV pour une nouvelle vidéo sur Sun Candland, un jeu que j'aime beaucoup. Il va énormément évoluer. Vous avez plein de zones. Vous voyez là les zones qu'on a fait, que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en ai fait quelques-unes avec Toff, mon ami Toff81. Merci d'avoir été avec moi lors du live. On va se reprendre. Je pense qu'on va se reprendre dimanche prochain pour ceux que ça intéresse. Soyez au rendez-vous. Si c'est le cas, ça sera autour de 9h, je crois, c'est à déterminer avec Toff, heure du Québec. Et quelques heures plus tard, 3h, je pense, heure de l'Europe. Écoutez, merci encore à Toff. Et on est au petit matin. Regardez-moi ça, le beau soleil. Si, mon acte, c'est beau. J'ai fait beaucoup de changements. Naturellement, lors de la dernière vidéo, vous avez vu avec Toff81 qu'on avait fait pas mal de choses. Oui, mais avant de commencer, naturellement, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne, je déparle un peu, il est tard. Et le pouce bleu, les commentaires et naturellement, la petite clochette pour être averti de toutes nos prochaines vidéos. J'ai fabriqué pas mal de choses. Vous voyez, j'ai quelque chose sur la tête. Une lampe de poche, on n'aura pas besoin dans l'immédiat, mais je l'emmène avec moi. Je vais peut-être l'enlever de là, parce que là, ce qui arrive, c'est que ça me cache en haut, là, vous voyez. Donc, peut-être que je peux l'enlever et l'utiliser seulement s'il fait noir. J'ai un paquet de choses à vous montrer. On a travaillé fort avec Toff la dernière fois. Vous voyez, on a fait des bacs. On a fait une couple de choses. Et là, je vais essayer de me rappeler ce que j'ai fait depuis. J'ai fait ça tantôt. Parce que j'ai des piles qu'on met là-dedans, ok? Et j'ai l'impression, parce que elle s'est pas vidée jusqu'à maintenant, j'avais une pile, j'en ai, je pense, sont là, c'est ça. Je l'ai pris pour la mettre dans dans le phare. Et ça éclaire pas mal, j'ai hâte de le voir en pleine nuit. Là, le problème, c'est que elle rentre dedans, mais je pense que quand ça va être vide, j'imagine que je vais pouvoir la retirer. Parce que ici, ça dit, c'est une pile, et ça me dit placer la batterie. Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas si on peut recharger, parce que lorsque tu regardes la description, lorsque j'ai vu la description du produit, ça dit qu'on peut recharger des piles avec. Je ne sais pas si on peut le faire ici. Regardez, chargeur de batterie, utilisé pour recharger des batteries. Donc, j'imagine que ça va être le cas avec ma pile, parce que j'ai jamais eu de pile vide. Mais là, forcément, celle qui va sortir d'ici va sûrement être vide. En fait, j'imagine que lorsque la charge va être finie, ça va sortir. Et j'imagine que c'est la même chose avec ça. J'en avais-tu mis un? Moi, j'ai pas de... J'avais pas mis de pile, je pense, dedans. Fait que c'est cool. On va laisser ça là, de toute façon. J'ai fabriqué aussi ceci. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais je l'ai rempli de pétrole. OK? Et ça va faire éclairer, à un moment donné, une lampe que je vais mettre dessus. Je vais la tester. Ceci étant dit, s'il faut que je dépense du pétrole constamment, puis je me casse la tête, ben ces lampes-là ne coûtent rien. OK? Je les fabrique, puis je les suspends. Alors, peut-être que ça, avec les lampes normales, les vraies lampes à lumière et tout, ben, ça va me donner plus d'éclairage. Mais pour l'instant, on s'en tape. J'ai aussi fabriqué, merci à Toff, il m'avait pas. Ben, j'ai avancé parce que même après son départ, je me suis dit le soir même, tiens, on va avancer un peu. Et j'ai fabriqué celui-là. J'adore ça parce que j'en avais un ici qu'il fallait constamment remplir d'eau, OK, manuellement. Celui-là, OK, on peut rajouter du bois. Là, pour l'instant, c'est correct. Ici, l'eau est pleine. Et de ce côté-là, c'est pareil. Si je bois, on va boire une shot pour vous montrer. Ensuite, je peux... Ah oui, c'est ça, il faut qu'il boue avant. Il va bouillir. Ça va diminuer le 10 ici, l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir remplir simplement en pompant l'eau. Ça ne devrait pas être long. On va y revenir. J'ai aussi débloqué plusieurs plans. Là. Il y en a plusieurs de parties. La pile, il va falloir que je le fasse. Mon toff, je t'ai fait quelque chose et je vais te faire autre chose après. Voilà, je t'ai fait une lance pour notre prochain rendez-vous.
Une lance en fer, c'est vraiment, vraiment efficace. C'est 70. Naturellement, on a aussi des haches. Mais les haches, non, ça c'est les armures. Je me rappelle plus aussi. Ah, c'est là, c'est ça. C'est la hache de fer. Sauf que j'ai l'impression que la hache de fer est plus lente. Et il faut être plus proche. Ça ici, si tu fais attention de la façon que tu t'en sers, ben c'est assez efficace. Et naturellement, le personnage, le méchant reste loin. Les autres armes, ça vaut pas la peine. Celles-là, j'en ai quelques-unes de notre côté. Fait que c'est pas tellement utile. J'ai aussi, je vais vous montrer ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ouais, ben, j'ai installé ceci. Atelier de munitions. Pourquoi? Parce que je me suis fait des munitions de pistolet. J'ai été attaqué hier soir pendant que je préparais mes affaires. Ça serait assez drôle. J'essaie de voir, j'entends pas beaucoup le son du jeu. J'espère que vous l'entendez suffisamment. Oh, c'est correct. J'ai été attaqué par des sept personnes, personnages non joueurs, sept méchants avec des guns. Ils avaient tous des guns et ils étaient tous là. Alors, ça m'a pris quand même, je comprends pas parce que ça m'a pris 60 quelques balles pour tuer les sept. Et je comprenais pas, j'ai l'impression d'en avoir gaspillé beaucoup. Je me suis dit, ah oui, c'est 70 balles que j'ai déjà utilisées. Fait que j'en ai refait pour être un peu plus à l'aise. Et oui, vous avez pu constater que j'ai fait aussi des escaliers. Ouais. Pardon. J'ai fait des escaliers. J'ai commencé à faire un deuxième. Je vais faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Je vais me faire un bloc appartement. En fait, on va voir. J'ai commencé à installer, puis j'ai pas trop eu peur de les installer parce que Toff, tu m'as montré comment enlever ces items-là avec la boîte. Okay? On a une boîte. Je vais vous la montrer. Ben, pour ceux qui n'ont pas vu le direct, là. J'ai une boîte. Voilà. Elle va être dans ce coin-là. Nice. Voilà. Tu prends la boîte dans tes mains. Et à partir du moment que tu l'as dans tes mains, on va vous montrer ça, tu peux faire ranger. Naturellement, là, il y a du stock dedans. Là, je ne vois pas comment qu'on peut le ranger, mais bon, on peut faire ça pour tout. Là, je n'ai pas testé avec, par exemple, est-ce que ça va me prendre aussi le contenu ou je perds le contenu. J'ai aucune idée. Ça ne fonctionne pas pour les murs, okay, les escaliers et tout ça, mais ça fonctionne pour tout ce qui est installé au plancher. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Et une autre chose qu'on avait fait naturellement, c'est la pompe à air que j'aime beaucoup. Je me suis fait beaucoup de bouffe. Et là, j'ai placé les meubles, les petites choses à terre, là. Je vais fabriquer des meubles en temps et lieu, mais pour l'instant, je voulais pas dépenser du bois, beaucoup de bois pour ça. Alors, j'ai installé un peu partout, console de jeu, cadreur, ouais, donc un paquet de produits. Même, je me demandais ce que c'était. Puis en gros, je trouvais ça cher. Ouais, c'est un tableau caché. Et là, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a en dedans, mais on ne le verra jamais. Alors, voilà, ça, c'est la base. Et on va maintenant aller. J'ai envie d'aller au Neptune. OK? Le seul problème, c'est que ça a l'air, c'est creux. Mais on va y aller quand même. Et on va prendre ceci. OK. Voilà. On va mettre une pile dedans, naturellement. On va essayer. Écoute, voilà, c'est rempli. J'ai hâte de voir parce que lorsque je vais vider ça, et le Neptune est assez profond, donc on va peut-être avoir besoin de ça. À toutes les fois, il me fait ça, il l'allume automatiquement. Alors, on va aller, je vais me rendre au Neptune et on va se retrouver à ce moment-là. Et regardez la bouffe que je me suis fait, là, j'en ai pas mal. Ça devrait aller. J'ai pas dormi depuis, c'est ma deuxième journée, parce que j'ai passé à côté. Je m'en suis rendu compte qu'il était 11 heures dans le jeu et je ne voulais pas me retrouver avec une demi-journée de passée, me réveiller à 11 heures, ça me tentait pas. Alors là, on va partir. On va aller directement au Neptune, qu'on a vu en fait, on a entrevu lors de notre live, qui a duré quand même 2 heures. Et on a eu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, on a eu ben, ben, ben du plaisir. Le plaisir est au plus le fun, en fait, c'est plutôt au mieux à 2, à 3, à 4 et à 5, c'est vraiment bien.
Je vais juste vérifier la map. Le Neptune, où c'est que tu te trouves, mon ami? Ah, il est là. Voilà, on ne peut pas mettre de... Voilà, ça serait bien. OK, on s'en va de l'autre côté de l'île. Et j'ai hâte de voir. Ben là, ça avance pas, Guillaume. Où est-ce qu'elle est, là, hein? Ah, OK. On va augmenter un peu. Voilà. Et on va vérifier. Ah, ça va. Je suis curieux. Le Neptune est juste là, dans ce coin-là. Regardez bien, je vais vous montrer sa map, là. Il est en arrière de nous. Mais il y a le parc d'attractions. Qu'est-ce que je ferais bien? Le parc d'attractions a l'air intéressant. Le Neptune, tout autant, mais en fait, je dirais plus. Il est de l'autre côté. Oh, il y a un requin-marteau, là. OK, on va tester. Parce que là, je me suis fait, comme vous pouvez le constater, j'avais un casque de 2 qui me donnait 2 de protection. Là, ça me donne 25. Fait que c'est pas mal mieux. Je devrais être protégé un temps. On va sauvegarder ici. Et, ah, oh, punaise, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'aller. On va avancer encore un peu. On va aller au parc d'attractions. Ah, oh, j'ai pas vu ça, moi, regarde ça. C'est un nouvel. Ça, c'est des ondes, il va falloir qu'on aille. Mais comme on dit chez nous, une chose à la fois. Hein? J'ai pas envie de les réveiller puis de me faire buter après parce que je suis pas prêt. Ma base, ceci étant dit, elle est assez efficace. Bon. Là, j'ai pas. Je sais pas. On va le tester de toute façon. OK, où est-ce qu'il y a le requin? Je vais le tester. Il y en a juste un. On va le tester. On va essayer de pas mourir. Ah, c'est pas si pire que ça. Ça va-tu me donner quelque chose d'intéressant? Viens-t'en ici. Vous êtes pas deux, là. T'es tout seul. Oh, ça fait quand même 4 coups. Hey, attends une minute, attends une minute. Peux-tu te frapper, mon Simonac? Je cours après toi, t'as remarqué? Oh, yeah! Hey, c'est pas beau ça? Ça m'a donné quoi? Une dent de requin. C'est perfect! Oh, taboué. Oui. Oh! Oh non! Oh non, 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 non. J'ai pas fait ça. Oh, que je suis innocent. Oh, punaise. Vous savez ce que j'ai fait? Toff essaie de deviner. Eh oui. J'ai oublié mes bonbonnes. Alors, pour vous, ça paraîtra pas, mais pour moi, ça va me prendre 10 minutes. Je vais aller chercher mes bonbonnes et je reviens. Ma zone, elle est ah, là-bas, regardez, en bleu. Ouais, on tourne, on revient. Simonac. Bon, je suis revenu. Et là, je me rends compte, parce que vous voyez, là, il est 15h48. À un moment donné, ça va être sombre au fond. Mais j'ai ma lampe de poche. Alors, on perdra pas de temps. Il y en a-tu d'autres poissons, là, des gros requins que je peux. J'ai plus peur de vous autres, là. On va. Ah, et puis en partant, tu vois. Oh, my God. C'est quoi ça? C'est un trou. Oh. Ah oui, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. OK. Là, j'ai mis naturellement. Oh, des plans. Nightclub, on va le prendre. Le jouet. Ah, punaise. Je ne sais pas si je laisse d'autres choses dedans. Parce que le train, là, je trouve ça intéressant, mais écoute, c'est pas grave. Moi, les lumières, j'aime ça. On va laisser ça de même. On va aller voir tout de suite ça ici. Et, mon cher Toff, j'ai fait 3 bonbonnes, OK? Punaise, il y a fuck all là-dedans, il n'y a rien de bon à part de ça, là. OK, ça c'est bon parce que je fais de la peinture. Vous avez vu la tapisserie de la peinture, le plancher tantôt. Ça, je vais laisser ça là. Je vais prendre lui. Je vais laisser le reste. Pourquoi? Parce que pour l'instant, mon Dieu Seigneur, je veux les choses qui sont importantes. OK, je veux prendre le reste, le bois et tout ça là, dans cet endroit-là. Et tabouille-toi comme ça ici, là. Oh, une grenade. Je t'aime, hein? Ça, c'est bon. Hey, tabouille, mon homme. Ça, j'aime ça. On va laisser ça là. Oh, putain, attends une minute. Oh, OK. Ben
Bon, ben écoute, on va revenir. Comme dirait un ami, on va reviendre. OK, on monte, on monte. Ah, j'aime ça. C'est les trouvailles qu'on fait au fond de l'eau, là, je vous le dis, c'est vraiment génial. Et il faut pas oublier, hey, ça, là, mon chartoff, qu'est-ce que je vais me faire avec ça? Je vais me faire un plastron. Peut-être tantôt, là, si la vidéo n'est pas trop longue. Et je vais te laisser ça de côté pour ta protection pour la prochaine vidéo, mon cher. OK, ça, c'est très important. On va avoir besoin pour upgrader. Ça, on verra. Ben, mon Dieu, j'aime ça. Tu vois là, j'ai ma bonbonne qui est déjà vide. On va la mettre là. Et on va en mettre une deuxième. Peut-être la mettre là. Et prendre mon air. Ben, quoi que, ouais. On va voir. Ça, c'est beau. On va la mettre là. Tant qu'à faire. On va sauvegarder. Et on va y retourner. J'aimerais retourner dans le trou, là. Nice. Où ce qui était le trou? Ah, c'est là. Oh, c'est voiture de police, ça. Ben oui. Oh, des balles. Excellent! Ça, c'est payant. Là, je veux aller là pour aller voir parce qu'il me semble qu'il y avait une autre pièce. Le son n'est pas assez fort, là, je dirais. Hein? J'aime pas ça. Ah, ben, t'as. Oh, c'est quoi ça? Des lunettes de protection. On met ça où? Là? Non. Ah, attends. Trois. Si on met ça là. Voilà, on vient de monter de deux. C'est fantastique. Ça, c'est quoi? On s'en fout. Une jupette, regarde, je t'en ai des jupes. Ça, par contre, ça va être bon. On peut pas aller là. Ça, c'est une arche. Le bois, pour l'instant, je m'en tape. Ah, ça, par exemple, on va regarder qu'est-ce qu'on a dedans. Dans les prochaines mises à jour, ça va être intéressant. C'est quoi ça? Oh, un jet ski! Ça, on va laisser là. Ça, on va le prendre. Et ça aide. Vous savez pas à quoi ça sert, hein? Les œufs, là, on dirait une douzaine d'œufs. C'est un. Ça vous donne. Ça vous permet de respirer plus longtemps, en fait. Hey, c'est vraiment génial. Non, on va pas. Faut faire attention quand tu vas dans un coin, tu essaies de passer. Ça m'est arrivé de rester de jamais. Il n'y avait pas de raison, mais. Regardez, on va. La lampe, là. Regardez-moi ça. Ça va me donner quoi? Ok, j'ai un peu de place. J'aime beaucoup les bouteilles bleues parce que, comme je vous dis, ça donne. Ouais, on est en train de prendre l'air. Ça nous donne de la peinture. On peut fabriquer de la peinture ou encore des. Je suis là. De la tapisserie. OK. On va mettre ça là. Excellent. Hey, ça, c'est bon. On va pouvoir en faire deux. Ça, on va mettre ça. Il me semble que j'en avais un tantôt, non? OK. Ça. Hey, ça, on va l'apprendre tout de suite. OK. Ah, c'est vrai, hein? C'est bizarre quand tu sors. OK, ça, on n'a pas le choix. Le caoutchouc, pourquoi pas. Le métal, on n'en met pas. Des balles, munitions de. OK. C'est bon, ça a de l'allure. Écoutez, on va le faire à noirceur parce que j'ai une lampe. Oh, attends une minute. On va le faire, mais avec le troisième. Hein. On va tout remplir ça après. Et on va éclairer ça. Oh, fantastique. Oh, il y a des munitions là. Il va falloir que je revienne parce que, de toute façon, ça, on va. Munitions de fusil. Encore de ça, c'est perfect. Ah, c'est vraiment génial. OK. Un camion. Je ne vais pas toucher aux voitures. Je vais le faire, mais que je revienne. Parce que sinon, on va être tout mêlé.
Il fait noir, par exemple. Oh, puis il fait frette. OK, on va prendre du métal. 4. Ah non, je pense que je n'ai pas le choix, là. Il faut que je monte, parce qu'il va fuiser. Vous voyez comment il devient tout gelé, là? Bon, réchauffe-toi, mon petit tout. J'ai pas de torche. Je sais pas s'il va dégeler. Ouais, il a de l'air à dégeler, mais lentement. OK, on ferme ça. On va se retrouver à la base. Quoique, peut-être ça vous intéresse de voir qu'est-ce qui se passe dans l'oiseau. Pas grand-chose. C'est où? Ah, c'est là. Voilà. Mais c'est bizarre, le son. C'est peut-être moi qui... J'entends pas tellement le son. Je vous mets en pause. Puis je vais vérifier ça. Bon, j'ai changé ça, mes amis. Alors, j'espère que ça va être correct. Que le son va être bon. Parce que moi, dans les écouteurs, je l'entends, j'entends pas bien. Et c'est difficile de savoir si c'est un problème du jeu. Donc, j'ai pas touché au son. Alors, écoutez, on se retrouve à la base. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Je vais fermer ma lampe. Je vais la vider pour pouvoir tester. Regardez-moi ça, les lumières. C'est génial. Hey, tab, ouais, j'aime ça. OK. Regardez-moi ça de côté, là. Ouais, j'aime beaucoup. Tab, ouais, mon homme. Tiens, relax un peu, mon Max. Si, mon âme. OK, on va serrer. Je vais faire le tri et je vais faire. Regardez-moi ça. Ça me manquait ça. C'est quoi? C'est celui-là. J'en ai. J'ai tout ce qu'il faut, mon cher. On va en faire deux comme ça. On va être gros dur. Et j'ai-tu rapporté un comme ça? Il me semble que j'ai trouvé un casque. OK. Un casque. Ça, je vais les prendre. J'avais pas de casque. Je pensais avoir trouvé un casque, moi. Ça, on va me mettre là. Ça, on va me mettre là, on aura le besoin. Ouais. Hey, ça, je vais le prendre tout de suite, moi, l'installer. Écoute, j'ai pas de casque. Mes pantalons, là, sont comment? Ça, c'est 5. Ça, c'est 3. OK. Excellent. Bon, ben, écoute. Bon, OK, j'ai mon stock. On va faire deux fois le gilet. Je voulais attendre faire lui, mais on le fera plus tard parce que j'ai pas trouvé encore ce gilet militaire cassé. Mais on va finir par le trouver. Mais en attendant, si on veut attaquer des requins la prochaine fois et tout, ça me prend ça. Donc, on va en fabriquer deux. Una, dos. Ouais, ben écoute, on va le prendre après. On va se vider les poches parce que là, je pense que je suis un peu full. Ah, oh, piquin. Oui, tant qu'à faire. Où c'est que je le mettrais bien, lui? Nightclub. Voilà! C'est fantastique. Moi, les néons, j'aime ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre, là? Je peux... Pas lui. On va mettre ça là. Les bonbons, on va y remplir après. Mais il faut faire attention. Des fois, j'y pense pas. OK, puis ça, ça me donne quoi? What the fuck? Hein? Je comprends pas. Il y a un bug? Ça m'en donnait deux en même temps? Tu me niaises? Hey, t'aurais pas pu m'avertir? Moi, je n'aurais fait un. Vous avez vu, là, j'avais le double. Puis ça m'a donné, je comprends pas. J'avais 2 comme ça, j'avais 20 comme lui, j'avais 8 comme lui. Et c'est pour ça que ça m'a donné. Hey, c'est vraiment bizarre. Ben ça, c'est un bug. Ben écoute, tiens, à un moment donné. Voilà, on vient d'augmenter. Hein? C'est pour ça que le requin, tantôt, là, il a pas niaisé longtemps. Fait que mon cher Toff, on va mettre ça là. À côté de ta lance. On va en mettre 2 autres ici, là, parce que... Ah oui, attends une minute, non. Ça, on va le mettre là aussi.
moins efficace, mais d'un coup, on aurait d'autres invités à un moment donné. Ça, on peut mettre ça là. OK. Ça, c'est important. Ça, on met ça là. La bague, je vais la garder parce que je veux aller voir si je peux acheter du stock au magasin là-bas. Bon, je viens de tester quelque chose. Ma pile, OK, je l'ai vidée complètement, ma lampe. Et, ben, il ne se passe rien. Ça ne me donne pas la possibilité. Donc, recharger les batteries, ça veut dire que contrairement aux bonbonnes qui, elles, sont pleines lorsqu'on les fait, on n'a pas besoin de la remplir au départ, ben, les piles qu'on fabriquerait, OK, puis je ne les ai pas faites encore, là, je pourrais en faire puis tester, ben, elle doit être vide, en fait. Donc, on peut la remplir avec ça. Parce que là, pour l'instant, je peux rien faire à part de placer un fil puis le mettre dans quelque part, le connecter dans le derrière de quelqu'un, je ne sais pas. C'est pas clair. Ça va faire, je regarde ça. Si vous savez de quoi il retourne, ben écoute, dites-le moi. Mais pour l'instant, je dirais que ça, c'est une décoration inutile. En général, les décorations, c'est pas mal inutile. Donc, ben, je pense qu'on va aller au magasin pour avant de se quitter. Je vais prendre, je vais laisser mes bouteilles là. Je vais les mettre là où je prends mon stock de toute façon. Ça, on va laisser là aussi temporairement. Et regardez, j'en ai trois là. Je veux aller acheter. Je ne sais pas en fait. On va aller voir s'il y a des plans, des nouveautés. Dans mes plans en ce moment, j'ai pas mal de plans d'arrivée. J'ai des beaux meubles que je vais fabriquer à un moment donné. J'aime ça. Je vais faire une grande maison. Même une télé pour connecter ma console que vous avez vue un peu plus tôt en haut. Un foyer. Écoute, ça va me prendre des pièces gigantesques avec des lampes et tout. Mais là, pour l'instant, on va aller directement à la boutique au Beau Souvenir pour s'acheter... c'est l'autre bord, ouais. Pour s'acheter des choses, en fait, voir si on peut acheter quelque chose d'intéressant. Bon, je sais pas si ça va à peine, parce qu'on va déjà assez vite. Le scooter sous-marin. Non, je pense que ça vaut pas à peine. Par contre, je vais prendre deux piles. Le plan de munitions, je sais pas. Les plans, pour l'instant, ça vaut pas à peine, parce que je pense, je les ai toutes, ça. Je les ai vraiment, vraiment toutes. Ça ici, utilisé pour décoration d'intérieur. On va voir. OK. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je pourrais, qui pourrait m'intéresser? Une canne à pêche, j'oublie ça. Une visée alternative pour pistolet. Pas besoin de ça. Ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec. J'en ai quatre ici. Est-ce que on a quelque chose qu'on peut acheter dans d'autres boutiques à un moment donné? Je ne sais pas. Donc, ça, non. Ça, ici, oubliez ça. La nourriture, tout ça. Ça, c'est quand même bon, mais je n'ai jamais essayé. Ça, c'est vraiment, vraiment cheaté. C'est vraiment très efficace. Ça, j'ai ça. J'ai pas grand-chose, en fait. J'ai envie de prendre ça. On va tout prendre, parce que si c'est de la déco, je vais en avoir besoin, parce qu'à un moment donné, je veux faire de la déco. Ah oui, c'est mon acte. Punaise. Qu'est-ce qu'il faut que... OK, tu veux pas me donner de dernier. Si je te donne une bouteille d'eau... Non, non, je garde mes bouteilles d'eau. Je peux te donner des flèches. T'en veux-tu des flèches? Ça vaut rien. I need more. T'en veux plus, je vais t'en mettre dans le derrière, ma Simonac. Tu veux pas y prendre? Ouais, je te donne des flèches. T'es pas sérieux. Hey, ça vaut pas la peine, là. Regarde. OK. Bon, on fait le deal. Deux piles. Et deux, ben en fait, 33 comme ça, là. L'âge du Christ. Allez, on y va. Deal. Bon, j'espère que ça va à peine cette affaire-là, mais de toute façon, le reste, tu veux que je fasse quoi avec ça? Et ça, ici, j'ai aucune idée, là. Tof, tu m'en as parlé, mais tu n'as pas précisé ce que je pouvais faire avec ça.
Je m'en dis qu'on pouvait pour 23 charbons avoir une, je crois. Alors écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là-dessus. Non, les citrouilles, moi j'en trouve partout. Je m'en tape. Il n'y a rien d'utile là-dedans, c'est juste décoratif. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Naturellement, si c'est le cas, ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Hein? Ça fait plaisir. Le petit pouce bleu. Ouais, souscription, la petite clochette. Et naturellement, les commentaires pour être informés de tout. Pour nous dire ce que vous pensez de la chaîne, en fait. Écoutez, c'était Migaoui pour Ludo JV. On se revoit pour une prochaine vidéo.